Eh bien salut tout le monde, c'est Cassidius, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dans le dernier épisode, oui, j'ai commencé le montage, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Comme vous pouvez l'entendre, je suis fatigué et pas très bien, mais on tourne quand même, hein, faut pas s'arrêter non plus de tourner. Et du coup, on avait fini notre cinquième donjon, il me semble. Merci beaucoup, Dutch. De rien. Allons voir le marchand. Il va sûrement nous faire une ristourne, mais ça sert à rien d'acheter dans le shop. Y'a pas un truc caché là, non? Ouais, je me casse. Donc là, du coup, on va se diriger tout doucement vers le troisième donjon. Je dis bien tout doucement, parce qu'on va un peu explorer ici. Pour écouter le remerciement de tout le monde et voir s'il donne un peu. Bon, ils disent tous merci, Dutch. Il est au petit-fils d'ailleurs. Ouais, bah, bon, quoi. Donc là, j'imagine que vous avez deviné. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Zéro pression. Nous voici dans les pots perdus. Cette porte ici nous mène bien évidemment vers, chez les Gorons du moins. Donc c'est un petit raccourci que vous pouvez utiliser dans Link en forme, mais bon. Moi je m'en tamponne à le coquillard, comme on dit. Je l'entends cette foutue sculpture là. Hein. Je suis pas fou hein. Putain, effectivement je suis pas fou. Oh mais est-ce que mon grappin il sera assez long? Ok, j'ai juste pris des dégâts. Ok, donc on viendra la chercher plus tard, promis. Putain, ce pigeon qui a fait un vol plané là, on aurait dit un aigle. C'était chez moi, hein, c'était pas dans le jeu. Ok, donc rappelez-vous où est-ce qu'elle est. Au moins vous savez où elle est. C'est déjà le principal, c'est que vous savez où est-ce qu'elle est. Mais je reviendrai la chercher plus tard. Paf! Ici on n'est jamais allé du coup. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un labyrinthe, dites-moi! Il nous mène à rien. Je suis sûr qu'il y a un moyen de trouver quelque chose par ici. Forcément, si on a besoin du marteau, c'est pas pour rien, je pense. Ah, donc on a un petit coffre ici. Oh, un énorme rubis, 200! Ah oui! Eh ben, j'aurais préféré avoir plus de sculptures là. C'est un peu du gâchis. Bon, j'imagine qu'aussi c'est un rubis. Ok, donc c'est un indice. Donc là, Navi nous a donné un indice comme quoi il y aurait un vent glacé qu'on sentirait chez les auras. Et figurez-vous que c'est pas pour rien qu'on nous dise ça. En fait, je cherche quelque chose en particulier ici. Ah ok, je sais comment on peut l'avoir à la sculpture là. Je vais la tenter une fois, hein, mais je sais que je dis une fois, mais je sais que je vais la tenter plein de fois tant que j'ai pas réussi. Ok. Oh, est-ce que je peux... Bien évidemment. Allez. On explore un peu, hein, on fait que très peu de secondaires. Oh, bonjour monsieur. Vous êtes énorme. Je viens de finir ce cure-dent, qu'en dis-tu? Me le prends-tu pour 200 rubis? Trop cher. Ok, reviens quand tu veux. Finalement, j'ai envie de l'acheter. Ah. Ce n'est pas un cure-dent. C'est la lame Bigoron. Enfin, l'épée Bigoron. Et regardez, ça c'est l'arme qui fait le plus de dégâts dans tout le jeu. Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah oh bah elle est cassée. Et le cure-dent est cassé. Je n'ai pas encore résolu son problème de résistance, mais enfin. Le prends-tu pour 200 rubis?
Ah bah fallait nous le dire avant de nous la donner. Espèce de malandrin. Maintenant du coup elle fait plus de dégâts. Elle fait presque rien comme dégâts. Mais c'est pas pour rien, ce sera une des plus grosses quêtes secondaires qu'on va faire. Attendez, je l'ai acheté, mais je crois qu'on peut l'avoir gratuitement et je me suis fait baiser. Bon, si on peut l'avoir gratuitement et que je me suis fait baiser, bah ça m'apprendra. Voilà, ça m'apprendra. Je suis un imbécile, c'est tout. Comme vous me direz dans les commentaires, possiblement. Bon, du coup, on va aller récupérer les autres coffres pour nous refaire un peu en rubis. Finalement, le 200 rubis a été pratique, j'ai envie de dire. Pour vraiment casser les rochers, là. Non, c'est bon. Voilà. Toi, tu ne me parles pas. Tu ne me parles surtout pas. Je ne veux pas entendre ta bouche. Ah, 50 rubis. Arrête de me parler, je t'ai dit. Ah, ça, quel plaisir. Ok, donc je pense que... Je pense qu'on va tout simplement partir d'ici. On n'a plus grand chose à faire, je pense. C'est pas ça que je cherchais du tout. 26 dans 4 sculptures là. Bon, déguisement, j'aurais dû en avoir plus, mais je sais plus où elles sont les sculptures là dans le donjon du feu et j'avais pas envie de chercher. Au droite. Au droite. Putain, il est impossible ce champ. Au droite. Au droite. Au droite. Gauche. Au droite. Au droite. Gauche. Au. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Oui, et aussi la dernière fois, c'était un gros épisode qui a duré. Qui a duré 30 minutes. C'est parce que je voulais finir le donjon impérativement en entier dans l'épisode. J'avais fait du montage et tout. C'était exceptionnel. Enfin, moins exceptionnel qu'un épisode qui va bientôt arriver. Je pense que dans un ou deux épisodes, après celui-là, il va y avoir un épisode qui va durer minimum une heure, je pense. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le temple le plus dur de tout le jeu. Et celui-là, il va juste tellement me trigger aid que je veux le faire en une fois. J'ai pas envie de faire 10 000 vidéos. Je le uploaderai en une fois, ça me prendra sûrement toute une journée. Quand je serai chez moi, j'ai la bonne connexion. Parce que ici, ça va me prendre 6 jours, je pense. C'est ça, mon appartement. Mais pas tous comme ce Michou, là, hein, qui est dans son appartement de riche, là, parce qu'il a des vues. Du bâtard. Donc on va se diriger chez les Auras. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné du coup. C'est l'endroit le plus vieux qu'on ait visité. Alors là, ma veste a griffé sur mon micro. Il est possible que je vous ai détruit les tympans. Et je m'en excuse. Ne vous inquiétez pas, en décembre, Dutch et moi, let's play duo et bon casque micro pour nous deux. Et puis, n'hésitez pas, on devrait refaire des vidéos, enfin des lives un peu sur Twitch, sûrement ces vacances. Donc n'hésitez pas à passer sur notre Twitch, hein, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne, hein, on a mis un lien. Et du bah on va continuer, bien sûr. On va sûrement faire ça en live, si par exemple on fait des trucs comme Stardew Valley, on va sûrement faire ça en live. Et on va prendre les VOD et on montrera tout ça pour... Comment dire. On va monter tout ça pour qu'on loupe pas des moments marrants si on fait des trucs en vidéo et on voulait mettre en montage. Enfin, des grosses vidéos bien travaillées si on fait Stardew Valley, parce qu'après on va peut-être faire un autre jeu. Je ne sais pas. Faut vraiment Epona ici. Ça. Mais wesh, il va se calmer, Jackie là. Voilà, crève. Et les pigeons, ils font des vols planés là, c'est insane. Ouais, je raconte ma life, ouais. Ouais, possiblement moins intéressant que d'habitude, mais on pose des questions. Pourquoi je suis vénère? Ah, vous voyez? Des flocons. Navi nous avait dit qu'il y a eu un vent glacial qui soufflait en direction du domaine Zora. Alors, si je me souviens bien. C'est ça, il me semble. Voilà. La cascade s'ouvre. Accès au domaine Zora. Comme Link enfant.
Les souvenirs qui remontent. C'est parti. Et là. Ah! Ah! Il fait un peu frisquet. Effectivement. Ce pierrot. Oh ben le roi. Et le roi est congelé. Le roi est tout à fait dans une glace rouge, hein, comme on peut appeler ceci. Et peu importe ce qu'on peut utiliser, on aura beau taper dessus, on aura beau mettre du feu, ça marchera pas. Donc du coup. Ah, je glisse. Aïe, 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 glissade. Et là, il n'y a plus le roi de Jabu Jabu. C'est aussi étonnant que cela puisse paraître qu'il n'y a plus Jabu Jabu. Ah, ah oui, là, faut pas tomber dans l'eau, hein, sinon on peut pas remonter sur les plateformes et l'eau gelée, ça fait mal. Ok. Là, pire erreur de ma vie. Saute! Ah voilà! Le quart de cœur. Trouver 4 fragments pour gagner l'énergie. Ok, c'est le premier qu'on a avant d'avoir un autre. C'est moi ou ça lag là? C'est moi ou le jeu lag? Que si le jeu lag, c'est genre il saigne. La concentration est à son maximum. Oui, du premier coup, j'avais raté là, dans ma partie perso. Que faut que je reprenne d'ailleurs hein, pour me éviter de me fail trop longtemps dans les autres donjons. Nous nous trouvons dans la caverne polaire. C'est un, on va dire, un mini donjon. Ici, hein, à retenir, bon, je suis sûr qu'on peut le brûler cet endroit. Voilà. Ici, vous pouvez voir, ça, ce sont des ennemis. Sauve Mister Freezard, attention à son souffle glacé, détruis-le entièrement avant qu'il ne se régénère. Oh merde. Oh merde. Non mais sérieux, je me fais enchaîner là. Mais oh là 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 hein. La merde la pute. Voilà, brûle. C'est faux. Pas du tout. Non mais wesh. Voilà. Tu vas rentrer chez toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là, Jackie numéro 2? Mais genre d'où il m'a touché, j'ai pas bougé. L'argent. L'argent avant tout. C'est pour ça que je pouvais pas avancer, c'est à cause de lui. Voilà, je me disais bien aussi. Je garantis pas qu'on le finisse aujourd'hui ce donjon, hein. Je garantis pas qu'il prenne 10 minutes. Mais on va tenter. On va avancer doucement. Je sais qu'il y a des énigmes assez chiantes. Sur celle-là. J'entends la sculpture là, ne vous inquiétez pas, moi je la trouve. Ah bah elle est là. Très chaud. Oh bah il y en avait un là en plus, incroyable. Tout bénef. Le jeu, s'il te plaît, le jeu bug pas. Voilà, est-ce que tu l'as? Pas touché. Du coup, faut monter. Très simple, là, comme donjon, en vrai. Normal, parce que c'est un mini-donjon. Je me prends un dégât, là. D'accord, Link décapitarde. Bon, ça prend des dégâts, en vrai. Hein. Faut faire attention. Voyons voir. Non! Esquive. Alors là, j'ai esquivé moult fois la mort. Hein. Voilà. Non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Je savais pas. J'en vais pour. Pourquoi j'ai sauté? D'accord, d'accord, d'accord. Ok, je prends bien. Pas de tous les nerfs. Oh non! Les chauves-souris gelées de mon cul. Avant qu'il t'attaque, et bah c'est raté. Non, mais vise la chauve-souris. Link, Dutch, qu'est-ce que tu fais, Dutch? Dutch a sorti tout droit de mon cul. Ok, donc lui c'est fini, lui c'est réglé. Okay. Bah, je vais les prendre, ça me paraît tout à fait nécessaire, sa mère. Ok, bon, on le finira clairement pas aujourd'hui ce donjon.
Et d'ailleurs, le trésor de fin de donjon, c'est un cadeau assez empoisonné. Hein. C'est pas un cadeau qu'on va apprécier à avoir, hein, je vous le garantis. Hein. Parce que c'est cool, ça fait un truc en plus, mais vous allez voir que c'est pas. C'est pas foufou. On aurait préféré pas l'avoir parce que ça va nous apporter plus de malheur que de bonheur. Oula. C'est un petit bug ça, non? Regarde ici, salaud. Putain, il y a des sales bêtes partout, je vous jure. Ok. Donc là, l'instrument principal de ce donjon, c'est la bouteille. Oui, c'est nul. Mais c'est le cas. Voilà. Donc les insectes à la poubelle. On en a rien à foutre. Voilà. Le lait, on le boit. Oh là là. Ça fait du bien. Un bon petit lait là. Tout ça pour ceci. Cette flamme bleue, elle n'a pas l'air naturelle. Elle doit sûrement servir à quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous enfermez une flamme bleue dans une bouteille, ce qui est tout à fait logique. Voilà. On a fait le plein. Et du coup, ici, vous pouvez voir qu'il y a un ennemi. Je vais le taper à l'épée parce que la flamme bleue, ça prend trop longtemps à sortir et j'ai juste à en gâcher. Et en fait, la flamme bleue, ça permet de libérer les objets ou de tout simplement faire fondre la glace rouge. Voilà, ça nous permet d'accéder à un énorme coffre. Un coffre, c'est-à-dire lambda pour ce qui est dans un donjon. Mais il me semble que c'est le. Il y en a que deux dans ce donjon. Voire trois en fait. Ok, donc on va se resservir sur. Ça, c'est un pot, hein. Il n'y a rien dans les pots en général. Il y a peut-être une fée, mais bon. Là pour l'instant, nos bouteilles, on veut les consacrer uniquement aux flammes bleues. Ok, donc cette salle, on en a définitivement fini avec, il me semble. Hein. Et aussi étonnant que ça va peut-être vous paraître, on va s'arrêter ici. Eh oui. Eh oui, on s'arrête ici, de but en blanc, comme ça, de but en blanc, très rigolo comme blague, étant donné qu'on est dans la neige. Voilà. Ok, donc ça me vaut moins 10 abonnés, alors qu'on en a que 2, rien que pour cette blague. Mais c'est pas grave, on assume. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va finir la caverne de glace, à tes swellings. Et du coup, on va la finir, et normalement, dès qu'on aura fini le prochain épisode... Dans l'épisode encore après, on entendra le temple de l'eau, il me semble, et ça va être un épisode d'une heure de torture. J'espère que vous aimez la torture. Bon allez, c'était Chrisidius, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça, bien sûr, si ça vous a plu, et ciao tout le monde. À tes souhaits.